Tu pensais pouvoir me tuer aussi facilement? Tu es dans le caca. Bienvenue dans les enfers. M'affronter ne sera pas si facile. Le sniper de l'extrême ne meurt jamais. Bien le bonsoir, messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Alors comme ça, on veut m'affronter, on veut me battre. Je suis un gamer. Et on adore ça, se battre. Oh, je peux vous dire, j'en ai réglé, moi, des embrouilles sur la console. Oh oui, faut pas me chercher. Il y en a un qui fait le malin, il y en a un qui parle trop, c'est insulte. Qui aime ton gars? 1v1, sniper. C'est comme ça qu'on règle nos problèmes, nous, les gamers. C'est quelque chose que j'ai séché toute ma vie, faire des 1v1 contre les gens, je sais pas. Juste, j'aime ce côté challenge, en fait, j'aime le défi. Affronter des gens que tu connais pas et découvrir sur le terrain en 1v1 le talent de l'autre ou le sien. Et aujourd'hui, je vous défie, vous allez m'affronter dans différentes épreuves, il y aura pas que ça. Les abonnés ont été sélectionnés sur le Discord et là ils m'attendent dans le ring et je vais tous les affronter. On sera sur le tout nouveau Call of Duty Vanguard. J'ai joué un petit peu ce matin, je suis niveau 15. Bon, j'ai vraiment fait que quelques games, mais il y a déjà des dingueries qui se sont passées. En plus, vous le savez, donc sur Vanguard, on est de retour à la Seconde Guerre mondiale. Moi, c'est un univers que j'adore dans les jeux vidéo. Ça va sortir les bons vieux snipers à verrou. Et surtout, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a une de mes maps préférées qui est de retour, Dom. Messieurs, dames, on lance les paris. Maintenant, tout de suite, vous laissez un commentaire. Et dans ce commentaire, soit vous pariez sur le fait que je gagne tout, mais 1v1. Là, c'est que vous croyez à 200% en moi. Et je vous aime. Ou alors, vous pariez sur le fait que je perds au moins un match. Vous mettez votre pronostic en commentaire. Je parie sur sa victoire. Ou alors, je parie sur au moins une défaite. Et une fois qu'on aura fini les matchs, vous pourrez modifier votre commentaire et dire si vous avez vu juste ou non. J'ai noté des noms, je vais... Voilà, voilà, on va commencer à faire une liste. Alright, on va aller voir les abonnés et leur mettre un peu la pression. Voici donc mes petites victimes du jour. Bienvenue à tous, vous allez subir les conséquences du sniper de l'extrême. C'est bien de leur mettre un petit peu la pression comme ça. Je rentre dans leur cerveau, je les matrix avant même de lancer la game. C'est parti pour le premier mode, 1v1 sniper. C'est qui le prochain là que je vais grailler? Le carbone. Le carbone. Je vais faire un petit tête-à-tête avec carbone les amis, je vous le rends à peu près intact. Ouais, j'aime bien tous les petits tournages que tu fais parce que c'est pas le premier que je fais. Ah ouais, t'en as déjà fait? J'ai fait celui de Rocket League. Ah mais attends, t'es un des mecs que j'ai affronté sur Rocket League? Oui, et c'est celui où on a eu le match le plus serré. Ah putain, mais j'ai une revanche à prendre alors. Oui, oui. Ah bah là, je vais être sans pitié. Je sors les lunettes de l'extrême. Elles sont cassées, mais t'inquiète. C'est parti. Le premier kill est important. Voilà. Toi, c'est pas de cadeau. Mais toi, c'est pas de cadeau. Toi, c'est 15-0 ou rien. Waouh. Oh non. Ah, oh, pas le 15-0. Ah, quand même pas. J'espère pas, en tout cas. Je pense que c'est dur, hein. Voilà. Ah merde, il a spawn ici. Quand on est en dos ou quoi Ouh. Ah, faut que je recharge. Ouais, j'avoue, les recharges. Elles sont ultra longues. J'arrive. Finito, on n'est pas sur Rocket League là. Ah bah là non. Voilà. J'aurais peut-être pas dû le dire que j'avais gagné comme ça. Clairement. Oh, elle est belle, oui monsieur. Ah oui. Ah putain. Et le kill ouais, final. Bon moi j'ai pas fait zéro, moi. C'est bien de se rassurer comme ça. Pas ultra snipe. Oh. Alors on n'est pas sur Rocket League, j'ai dit, on est sur Call of, on est à la oui, maison. Mais là, c'est ton jeu là. Ah oh, oui d'accord. Ah ouais, le petit 3-6. Alright. Ça commence très bien, messieurs là. On est sur le premier 1v1, un petit 15-2. De toute beauté. En plus, j'ai pu prendre ma petite revanche. Victime suivante. Le voilà, Kent 720. Est-ce que tu es prêt pour ce 1v1 de l'extrême? Alors prêt, je sais pas, mais écoute, est-ce qu'on a le choix? Non, hein, hein. Tu as toujours le choix, tu peux fuir. Allez, c'est parti. Oh, le Kent qui... Oh oui, d'accord, ça rigole pas, là. Il panique. Ah. Voilà. Oh, je suis pas chaud du tout, attends. Hello there. Où es-tu? Petit, petit. Oh là là, la tête. Oh, elle est belle. J'ai juste vu la velure une demi-seconde. Ça part. Attention, c'est le dernier kill. Ok, c'est maintenant. Ça va partir sur un trick shot, hein. Caché. Ah merde, qu'est-ce que tu fais? Non, j'arrive pas.
Ouais, je l'ai un peu raté. Un petit 10-5, pas dégueu pour une première. Tu t'es bien défendu. J'avoue, au début, j'ai eu un petit peu peur parce qu'il me mettait toutes les balles. Suivant. Tu es prêt à te prendre une petite fessée? Ou alors c'est toi qui va mettre la fessée? Ah, je sais pas. Ça fait quand même, je suis un peu rouillé là, mais on va voir. Alright, c'est maintenant, ma sœur Luc, que tu as ta chance de battre le sniper de l'extrême en 1v1. Ah merde! Mais c'est qui court vite, le petit zinc? Voilà mon garçon! T'as vu venir? Bien sûr que non, et tu vas pas voir la prochaine non plus! Attention mon petit Luc, faudrait pas se prendre un 15-0 quand même! Ah non! Oula, ce viseur il est spécial mais bon! C'est la seconde guerre mondiale hein! Ah là c'est à l'ancienne! Là c'est le bois et l'acier! On le sent fébrile un petit peu, je sens qu'il a peur! Voilà! Garde la tête haute! J'aurai tous mes balles! Voilà! Concentre-toi Luc! Je te vois pas là derrière ton petit mur. Viens mon petit Luc. C'est insupportable votre attitude. J'avoue j'ai fait le bâtard. Allez le prochain kill je vise pas. Oui c'est passé le noscope. Mais alors mon petit Luc, y'a que 2 kills là, qu'est-ce qui se passe? Un peu la pression aussi de jouer face à une légende. Je ne suis qu'un simple youtubeur, vous savez. Oh là c'est terrible ce qui se passe Luc hein. J'ai tenté. Allez, on va finir ça. Voilà. Eh bien, ce sera pour une prochaine fois si tu voulais me battre. Hein. Pour une prochaine fois, je m'entraînerai et un jour je te dépasserai. Où est la concurrence, si je puis dire? Où est la concurrence actuellement, messieurs, dames? Est-ce qu'il y a un abonné ici qui pourrait me battre? Là, je peux vous dire que les gens qui ont commenté que j'allais perdre au moins un match, à mon avis, commencent à être dans le mal. Au suivant, s'il vous plaît. Qui veut ça racler? Oh! Un niveau 34. Tiens, Black Ghost. Et si l'abattage? Comment tu le sens? Bah, en vrai, comme tu viens d'envoyer 3 cadavres là dans le salon d'en dessous, vu l'état comme ils étaient. Je serai sans pitié. Moi aussi. Oh, un challenger. Ah. Ok, là on a un bon challenger. Ah, tu veux que je sorte le grand jeu? Vas-y, envoie tout ce que t'as. Oh, pas mal. Oh, le turn qui a failli être mis. Derrière toi. Ouais, je vois ça. Oh, il a tenté un 3-6, mais pas contre moi, mon garçon. Non, le scope est pas passé. Ok, là je me mets en mode Furax. Non. Ah non, je suis pas bon. Ah putain, je me fais enchaîner, non, je suis plus dedans. Faut que je me reprenne. C'est parti. Je me suis trop laissé faire. Oh là là, le flick shot. Oh non. Oh le 13-11, c'est chaud. Ok, let's go. Pas de cadeau. Hein. Oh pas de putain. Oh putain de merde, le 13-13. Non. Non, j'ai tenté le tout à la fin. C'est pas possible. La vengeance pour mes coéquipiers. Aïe, le coup dur. Je savais pas où t'étais. Bien joué. Bien joué à toi. Ah, c'était très merci, très merci. Serré. Bravo Black Ghost, tu as sauvé l'honneur des merci. Abonnés. Ah, le coup dur. C'est parti pour le deuxième mode. Invasion de bouclier. Cette fois-ci, je vais affronter 10 abonnés. Je serai seul. Et ça, c'est ce que je préfère. Eux seront au bouclier. Il va falloir qu'ils soient malins et qu'ils jouent stratégique. Parce que moi, je vais pouvoir me faufiler. C'est pas simple de tuer 10 personnes et en plus au bouclier. On va voir ce que ça donne. Bonne chance à vous. Je connais absolument pas la map. Elle a l'air incroyable. Je vais clairement me cacher. Alright. Oh, c'est beau. Formation tortue. On lui avait dit ce qui fait mal. Je vais tomber sur une formation de boubou. Formation. C'est incroyable, je suis. Vous ne m'arrêtez jamais. Oh waouh, qu'est-ce qui arrive là-bas? Allez hop, un en moins. Eh oui, c'est moi dans les cocotiers. Attendez, vous m'avez pas vu là? On est d'accord? Ah mais vous êtes des champions les gars. Mais ouais, vous êtes sérieux? Ah ça y est, le mec m'a vu là. Salut toi. On peut pas ping sur ce jeu. Putain, sur le toit, sur le palmier. Au-dessus. Ghost. Coucou. Derrière toi. Ah. Ah. Oh merde. Eh oui mon garçon. Ok, faut que j'arrive à les semer là, merde. Bloquez-le dans le tunnel. Oh, ça fait boum, je crois, dedans. Eh oui, attention aux barils, les amis. Petit, viens mon petit Kent. Viens mon petit Kent, n'aie pas peur. Il est bloqué. Ah oui. Ah oui, ça pardonne pas, quoi. Alors, à la seconde, nous vous encerclez, je suis mort. Ok, très bien. Ah bah là, oui. Ah, regarde, j'ai voulu faire demi-tour, mais... ça te rappelle la Paris Games ou quoi? Ah ouais, de ouf. J'aime les palmiers. D'accord, sans palmier, j'en étais sûr. T'as un beau bouclier, Black Ghost. Oh, il est beau. Oh. Arrête, tu me fais peur. Ok, par là. Il est aussi beau que son sniper. Oh, j'ai glissé, chef.
Ah merde. C'est passé quoi? Rien. C'est, je me suis pris un bombardement qui est passé par là. C'est bon. C'est la guerre, hein, ça arrive, hein, vous savez. Putain. Oh, c'est pas mal ici. Waouh. Ouais, il dit c'est pas mal, il est vers le B, les gars. Il connaît la cachette, il est au fond de B. Ah, regardez ce que j'ai fait. Hop là. Oh là là. Tu l'as pas vu arriver celle-là. Oh, ils sont partout. Oh, mon dieu seigneur. Ah ouais, mais là c'est chaud, ça merde. Prenez-le par le côté de l'autre. Faites gaffe au baril, non. Il est déjà passé. Mets de l'autre côté, oui, oui. Non. Oui. Ok, va falloir que je sois stratégique. Ah bah c'est fini. Bah voilà, merci à tous. Allez. Et qu'est-ce que vous foutez là-haut? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Écoutez, faut que ceux d'avant ils descendent. Bah ouais, faut, en plus faut pas se tourner, hein, parce que sinon il va nous tirer dessus. La fin. Hop là. Eh oui, monsieur. Oh merde, c'est quoi ça? Non. C'est quoi cette merde? C'est un kit de sec. Oh bah là. Ça va swinguer pour toi. Waouh. Eh, c'était des balles explosives ou quoi? Ah. Touché. C'est la fin pour toi. Ah, dommage. Alright. Alors comme ça vous faites les malins. Vous pensez pouvoir me résister? Eh ben c'est ce qu'on va voir. Salut. De bas derrière. Oh, bonsoir. Il m'a mis un passement de jambe là. Ouais, c'est chaud sa mère. Trop vite. Oh waouh. Vas-y, on protège le char. Are you ready? Let's go. Palmier, sous palmier. Mais voilà. Faites-moi les malins. Oh non. T'avais pas où je suis. Ok, vas-y, on avance, plein de quoi. Oh, je savais pas ça. Oh non. Oh. Ah, allez, allez, il est où le dernier? Viens ici, mon garçon. Est-ce qu'il est immufigé, ton bouclier, là? Viens, on va regarder. Finally! A savoir qu'à chaque fois, le dernier va se taper du coup un petit lance-flamme dans le fion. 4-2, allez. Ah oui! Il arrive. Oh la montagne! Ça ne passera jamais. Waouh! Eh, c'est parti! Vous avez eu peur, hein? C'est bizarre, il disait rien pendant 5 minutes! Ah, alright, bon, bravo, félicitations pour cette manche. C'est amplement gagné par les abonnés. C'est la défaite pour le coquet. Alright, messieurs dames, c'est terminé pour moi. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, c'était très cool. Moi, j'adore faire des games custom. C'est souvent ce que je préfère. N'oubliez pas de laisser un petit like et un petit commentaire. Bien évidemment, Call of Duty Vanguard est disponible dès maintenant. Merci beaucoup à eux pour le partenariat. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. YouTube.